coucou, on va faire une petite carte. Voilà, j'ai déjà préparé ma base. J'ai pris du craft, tout simplement. Avec un morceau un peu plus petit noir et un autre morceau encore un peu plus petit orange. Comme ça, ça fait une petite superposition. Après, je sais pas si vous avez des stickers ou des choses où il y a marqué Joyeux Halloween. Vous pouvez découper aussi dans les magazines. Voilà, dans les publicités là qu'on reçoit en ce moment, il y a marqué Halloween partout. Moi j'ai pris ça, ça vient toujours du même bloc là. Voilà, il y avait des pages qui étaient avec plusieurs étiquettes. Et moi j'en ai découpé une et j'ai mis de la mousse 3D derrière. Donc je vais coller ça tout de suite dessus, ça sera fait. Hop, voilà. J'ai mis deux morceaux pour que ça fasse un petit peu de relief. Donc je vais la mettre en bas. Et dessus, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une toute petite toile d'araignée. Alors, attendez. On va essayer que ça zoome. Voilà. Là, vous pouvez l'apercevoir, la petite toile d'araignée. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire deux araignées ici. Alors pour ça, il vous faut des boutons noirs de préférence. Voilà, moi les miens, ils sont comme ça. Voilà, j'aurais... Bon, de base, j'en cherchais des unis. Mais j'ai vu cela, je me suis dit, ça ira très très bien. Donc, on colle les deux boutons. Voilà. Tac et tac. On les met où on veut, hein, en fait. Hein. Et après, avec un feutre noir. Alors, moi, j'ai pris un Bic marqueur. Voilà, mais bon, n'importe quel feutre noir peut faire l'affaire. Et on va dessiner des pattes. Voilà, des petites sortes de petits V comme ça. Plus ou moins réussi. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors de ce côté-là, j'y arrive plutôt bien. Et de l'autre côté, j'ai plus de mal. Voilà. On va faire hop. Je fais deux petits points, comme ça on dirait que c'est un peu sa tête. Voilà, tout simplement des boutons et des fausses pattes. Et un petit mot marqué Halloween. Tout ça dans les couleurs orange et noir, hein, les couleurs d'Halloween. C'est tout simple, je trouve que pour les petits, c'est facile à faire. Voilà, ils peuvent faire une carte avec plein d'araignées, avec des petits boutons, des gros boutons, des moyens boutons. Voilà, et je trouve que c'est rigolo pour Halloween. Voilà, c'était une toute petite vidéo de 5 minutes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt.